Cette semaine, notre pilote travaille le décrochage et la recherche de marche arrière. Il réalise une rentrée en deux temps, c'est-à-dire qu'il descend les mains une première fois. Lorsque la voile se tord en arrière, il remonte les mains, la voile se détord, puis il faut immédiatement redescendre les mains très profondément pour que la voile ferme et prenne sa forme correcte en marche arrière. Mais notre pilote garde les mains beaucoup trop hautes, on voit que les mains se baladent un petit peu, la déformation de rentrée est asymétrique, si bien que la voile bascule en arrière mais avec un demi-tour de rotation. Mais sur cette image, les mouvements pendulaires se sont stabilisés, la voile semble peut-être manquer de frein pour une marche arrière bien stable, mais on ne le saura jamais puisque le pilote va commettre sa principale erreur. Il va relever la main droite. On ne sait pas si ce geste est euh, intentionnel ou s'il si se fait arracher euh, la main par manque de tonus musculaire, mais c'est clairement une très mauvaise idée que de relever une main en marche arrière. La demi-aile de droite libérée va partir en abatté tandis que euh, le pilote conserve de la commande à gauche, donc l'abattée va être asymétrique. Le pilote semble vouloir redescendre sa main droite, comme pour contrôler cet abatté, mais finalement il remonte les deux mains alors que l'abatté n'est pas fini. La voile est donc livrée à elle-même, comme l'abatté est asymétrique. La voile ferme asymétriquement avec un pilote déséquilibré sur le point de twister d'un demi-tour. Heureusement, la voile s'ouvre quasiment complètement et sur cette image, la voile est en fait en parachutale. Il va donc y avoir une petite abattée aérodynamique de 20-30 degrés, et il va falloir faire attention à cette petite cravate qui s'est formée à droite et qui pourrait générer une mise en rotation à droite. La voile marque sa petite abattée et se regonfle. Le pilote effectue une temporisation de cette abattée à contretemps dans la phase d'accélération, mais sans conséquence. Il a retrouvé le contrôle, il faut maintenant s'occuper de cette cravate à droite, ne pas se laisser tourner, puis utiliser une technique pour décravater. Nous réalisons un décrochage asymétrique, il faut contrer à gauche, descendre brutalement la commande de droite pour tenter de provoquer un décrochage asymétrique, puis relever complètement les mains. Sur ce premier essai, la voile ne décroche pas, le pilote n'a pas maintenu la main en bas suffisamment longtemps, et la cravate est toujours là. Du coup, nous réessayons une deuxième fois avec la main un petit peu plus basse, un petit peu plus longtemps. Ce coup-ci, la voile décroche, ce qui permet de défaire la cravate. Il faut bien sûr immédiatement remonter la main. Il y a une petite abattée le pilote effectue une petite temporisation et revole paisiblement. Revoyons cette entrée hésitante avec des mains baladeuses et trop hautes, et surtout ce geste asymétrique qui provoque une abattée asymétrique. La grosse fermeture asymétrique et la formation de cette petite cravate. Revoici la scène à vitesse réelle en marche arrière. Il faut beaucoup de tonus musculaire pour maîtriser ces gestes.